Tijdens het weekend van 22 tot 24 april staakte het cabinepersoneel van Ryanair omdat ze ontevreden waren met de arbeidsvoorwaarden bij de luchtvaartmaatschappij. Natuurlijk heel vervelend als je net een vlucht had geboekt. Gelukkig stuurde Ryanair vrij snel een mail uit om te zeggen dat je als passagier recht hebt op een terugbetaling van je ticket. Helaas werd er heel wat minder duidelijk gedaan over het aanvullend recht op compensatie. Deze twee mensen gaan je vertellen wat zij meemaakten met Ryanair. Je m'appelle Nicolas et j'étais censé partir le dernier week-end d'avril du 22 au 25 avec ma copine à Prague. Je m'appelle Charlotte, j'avais prévu de partir en vacances avec mes enfants et mon mari le 23 avril et puis finalement on n'a pas pu prendre notre vol qui a été annulé moins de 48 heures avant celui-ci. On suivait un peu les informations puisqu'on savait qu'il allait sûrement avoir une grève et donc des annulations de vol. Et donc le vol était prévu le samedi matin à 6h30 ou 7h et on a été prévenu le jeudi soir par un mail comme quoi le vol était annulé. Donc on a reçu un SMS pour l'annulation avec un lien qui était directement mis dans le SMS pour avoir soit un vol alternatif, soit un remboursement de nos vols. Il n'y avait aucune autre information complémentaire. On n'a pas été informé de notre droit à recevoir une indemnisation forfaitaire autre que le remboursement de nos billets d'avion. Moi, je connaissais personnellement, enfin je savais qu'il y avait cette règle, cette loi. Et donc, j'ai un petit peu cherché comment obtenir cette indemnisation. Mais dans le mail, il n'y avait aucun lien qui menait directement au formulaire d'indemnisation de Ryanair. Donc je me suis rendu sur le site de Ryanair. J'ai cherché un petit peu le lien vers le formulaire d'indemnisation. Du coup, j'ai essayé de trouver les informations sur le site. Il y a en effet un onglet avec un formulaire à remplir en ligne pour une demande d'indemnisation sur ce droit des voyageurs. J'ai dû aller être sûr que c'était au bon endroit, sur la bonne page internet. J'ai dû scroller un petit peu en bas parce que c'était quand même assez bas dans la page. L'onglet buguait, donc j'ai essayé pendant les trois premiers jours suite à l'annulation du vol. Puis je me suis dit que je réessayerais plus tard. Et donc j'ai commencé à compléter le formulaire. En renseignant les données, tout ce qui était les noms des passagers, les numéros de vol. Et arrivé un moment, je devais sélectionner les vols pour lesquels je demandais une indemnisation. Le problème, c'est qu'il n'y avait aucun vol qui s'affichait. Donc à partir de ce moment-là, je ne pouvais pas aller plus loin dans le processus. J'ai essayé de joindre pendant des heures un agent de Ryanair pour avoir des explications sur la procédure, vu que ce n'était pas possible d'aboutir à cette procédure. Il redirige vers le chatbot de Ryanair qui est totalement désastreux. Donc je demandais des renseignements concernant le formulaire et il me demandait la destination et donc il m'envoyait les infos coronavirus concernant le pays dans lequel j'allais. Donc ça répondait absolument pas à ma question. Moi personnellement ça m'a mis 5 heures je pense d'attente avant d'avoir un agent en ligne. J'ai envoyé un mail à Ryanair pour essayer de résoudre le problème. Ils m'ont dit qu'ils allaient le faire. Ça fait un mois que j'attends une réponse et toujours rien. Omdat we heel wat klachten kregen over de staking bij Ryanair en het gebrek aan compensatie, hebben we ook met de Ierse luchtvaartmaatschappij samengezeten. Ze hebben de fouten erkend en ze hebben zich geëngageerd om de communicatie te verbeteren. De twee getuigen die je in het filmpje zag, die werden ondertussen gecompenseerd. Heb jij nog geen compensatie gekregen? Bel ons dan zeker op 0800 29 510.